Et bonsoir YouTube. Enfin bonjour, enfin on s'en fout. Je sais plus où j'en étais la dernière. Ah oui si, bah si je sais où j'en étais, je cherchais encore cette putain de... J'ai jamais trouvé... Comment... aller là. Et je l'ai jamais trouvé. J'ai tout... Ah, on dirait que j'ai pas explosé dans le coin là. Donc je me dis... On va se mettre à la cabane de l'artisan et on va voir s'il y a un truc par là, quoi. Ou du moins sur le bord, là, on ne sait pas. Il faut trouver, il y a quelque chose. Ou alors je pars de là, des cercueils abandonnés. Allez, on va partir des cercueils abandonnés, je sais pas ce que vous en disiez. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, derrière, j'ai découvert le cola de Leader Price. Il est trop bon et pas cher. Bonjour, je sais pas ce que je fais. Ça va, c'est ce que j'ai dit. Merde, j'ai pas fait gaffe. Ok. Donc ça, c'est mon cheval. Il est beau, hein. Peut-être que tout ça... Simplement, il faut aller par là-dedans. Nous allons tenter. Tentons. Voilà, on se fait des petits des petites merdouilles. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà fouillé assez par ici. Tenter tantôt. Ah, c'est quoi ces petits œufs? Et merde, empoisonnement, c'est parti, ça commence super bien. Allez, il doit y avoir un truc là-dedans. Allez. Un petit chien. Putain, il y a des vaches. Ma force a évolué. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas tabassé une tortue, bah, putain. Alors. Non, c'est ça que je voulais, là. Ah, putain. Attendez, je m'y remets parce que j'ai joué à Kirby tout à l'heure. C'est pas vraiment le même gameplay. Allez, je vais trouver un truc. Allez, on va trouver un truc. On va trouver une entrée, on va trouver un passage secret. Un petit wapiti. Il y a du muguet. Oh putain, il y a une entrée. Et j'y vais empoisonné. Caverne du sage, oh yes. Vous la sentez? Est-ce que vous le sentez? Là, j'ai pas une... Ça va péter. Est-ce que ça guérit de l'empoisonnement quand on touche la grâce? Enfin, quand on se... Je peux toujours pas monter de niveau. Non, bientôt par contre. Oh, c'est super, ça désinfecte. C'est parfait. Merci. Mercurochrome, le pansement des héros. Sodo stream. Tu veux dire soda stream? Parce que sodo, ça fait un peu bizarre, quoi. Enfin bref. C'est parti pour le... Ah, la caverne en Melvaille. C'est un mur invisible. Eh oui. Enfin, on dit mur invisible, mais c'est débile parce que le mur, il est visible. Ce serait plutôt une porte invisible plutôt qu'un mur invisible. On est tous tellement cons. Et bam! Dans le cululu. Oh là là, mais c'est... Oh là là! Ah merde, c'est vrai! Non! J'ai maigré gouré de boutons! Putain. Ça commence très très pas bien. Alors, si on tombe... Ah, il y a un truc, là. Bon, on va plutôt passer par là. Sodo stream, c'est genre le truc d'eau pétillante. Mais le prix, c'est une enculade.
Je reste accroupi parce que c'est le réflexe. Réflexe Metal Gear. Réflexe. Les cendres de guerre perdues. Ah bah je les ai retrouvées du coup. Ah ça c'est bien, des boulettes revigorantes, ça c'est bien. Parce que ça revigore. Il y a des putains de murs invisibles partout en fait quoi. Faut faire attention. Oula, ça sent. Ça pue. Il y a un truc qui vient de tomber sur la gueule. Une grosse araignée, une grosse fourmi. Je crois qu'on retourne chez les incels un jour pour voir si on peut pas. Réussir la quête. C'est quoi? Des lucioles argentées. Eh, si ça c'est pas un appel. Ah ouah, c'était bien joué. Oh putain, ok d'accord. Bonjour. Pseudo stream, c'est quand ils te font payer les bulles à la pièce. Moi je croyais que c'était un live Twitch de la République en marche. Mais... Ok. Donc on va aller par là-bas. Je sens que je vais me paumer là-dedans. La République en force, c'est clair. En effet. Oh putain. On parie combien? Oh putain. C'est pas. Ah. Il y a forcément une douille quelque part. Il peut pas y avoir autant de coffres. Ah bah si, apparemment il y a des trucs. Un papillon naissant. Un bouclier, une capuche noire, une patte de volaille en saumure argentée. Putain, c'est une commande HelloFresh ou quoi? La République en fouasse. Dans D&D, ça veut dire mimique. Bah ouais, je sais, c'est pour ça que j'aime un peu ce réflexe-là aussi. Ah, il me voyait pas? Ah si, lui m'a vu. Oh, il est costaud, lui! Alors, les petits gars. Il y a un truc, parce que vous me faites chier avec vos arbalètes. Ah merde, c'est vrai. Oh putain, j'oublie. Ah putain, j'oublie. Et je vais mourir à cause de cet oubli. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est la partie de chauffe. C'est la partie de chauffe. Zut, zut, flûte, caca boudin. Jésus a dit, lève-toi et marche. Macron a dit... Traverse cette étape. C'est pas mal. Et on est reparti. Du coup, il n'y avait rien, on est d'accord. Du coup, ça me... Ah. Ah non, ça n'a pas l'air sautable du tout.
Ok, on se concentre. On se concentre. Tout va bien. Tout va très bien. Donc du coup, j'ai déjà pris les coffres, on est d'accord. Par contre, je vais reprendre ça. Toc. Retourne-toi! On la pète! On la pète! Merde! Ouf! Voilà, maintenant on est bien. On se concentre sur Titine. Putain, mais je suis débile! Oh! Débileman quoi. Non, ces boutons là pour sauter. Je suis plus sûr de mes boutons quoi. Ah mais bonjour. Putain, il y a des coffres partout. Ah super. Ah bah c'est là. Okay. En s'assurant de la barbette, ça va mieux. Oui, je sais. Putain, mais c'est ouf tous ces coffres. On a bien un qui va te piéger, c'est pas possible. Wow, graisse draconique, des trucs de ouf en plus j'ai l'impression quoi. De toute façon les objets je sais jamais à quoi ils servent mais là j'ai l'impression que ça sert quoi. Ah c'est là. Et du coup maintenant je sais quoi, je saute. On dirait bien, mais si je saute je meurs là non, on est d'accord. Attendez. Il y a un passage caché. J'ai pas vu ou quoi? Je vais pas y aller pour mourir moi. Je suis venu ici pour mourir, ok? Apparemment, qu'est-ce qui va se passer? Bonjour les Météor 28. La salle privée, hein? La pub, ça pue. T'arrives à la sentir d'ici, toi? Bon, bah écoutez, go. Ah non, on se noie et on périt. Merde. C'est parce que j'ai lâché une caisse des familles. Ah, j'ai lâché une caisse des familles. Je me disais. Bon, bah on y retourne. Merde, c'est juste une caverne où on fait l'aller-retour et c'est tout, quoi. Ah non, je suis tellement déçu. Mais c'est pas normal, ça. Normalement, il y a toujours un fond. Il y a peut-être un passage que j'ai pas vu. Oh là là, ne tombe pas. Est-ce que vous croyez que je peux? Non, je peux pas l'avoir. Ah, mes runes sont juste en face. Mais j'ai dit Déméter.
J'ai dit quoi? J'ai dit Déméter, non? Il y a un truc là. Il y a un truc là, regarde, on est. Déconnez pas. Je veux ramper là. Bon, niquez-vous. T'as dit Pianta, quoi? Non, j'ai pas dit DMTR, non, j'ai dit j'ai compris que c'était Déméter, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. Allez, putain. Il y a bien un autre passage quelque part, c'est pas possible. Je n'y crois pas. Je vais pas taper dans tous les murs comme ça, quoi. Ça va vite me gonfler. Bon. Non. Merde. Ok, on se casse, on lock, on gougoute et on y va. Ah putain, il est mille fois trop rapide. Du pont et du pont, quoi. Non, ça m'énerve, j'étais content, j'avais l'impression d'avoir trouvé un truc... qui allait me permettre de... d'arriver là où je pense. Ah mais merde! Oh. Ça n'est point fini, mesdames et messieurs! Je me disais bien, c'était point possible. Oh putain. Plus noir de rapace. Bah putain. On trouve des petites choses. Putain, la vache! C'est quoi ce loot infernal? Oh, et voilà. Et le voilà, nous y sommes. Alors, avant toute chose, on va regarder ce que nous avons looté déjà. Et en termes de bouclier. De toute façon, j'ai déjà tellement... Oh! Ah oui, c'est plus lourd, ça. Hein. Oui. Oui, oui. C'est bien plus lourd. Donc, ça n'a pas... C'est tellement plus lourd. Je suis à 30. Ouais. Ah, je suis fortement... mais bon. On verra. Alors, en casque. Qu'avons-nous de neuf? Ah, il pourrait le marquer, hein, ce que j'ai de nouveau. Parce qu'à chaque fois, je me refais le tour de tour. Ah, ça, c'est nouveau. C'est stylé, mais c'est pas génial. Ça... Je suis à l'équilibre à combien? À 40, c'est quoi? Couvre au chef parfumeur de mon cul. Oh là, j'ai des trucs tellement stylés. Casquette de Jojo. Tête fongique. Je mettrais bien ça, mais j'ai l'impression que ça m'alourdit vachement, quoi.
On passe de 5-1 à 8-1, quoi. Au secours. Regarde si j'ai pas mieux avant le boss, hein, parce que ce serait con de... Mais j'ai des trucs ultra... Après, on pourra se cosplayer, hein, quand je serai ultra... Ultra starve dans le jeu, moi je me cosplay, hein. Comme dans Skyrim, quoi. Mais les... Oh merde, il y a ça aussi. Ah, et c'est... Ah, c'est à peine mieux, quoi. Ça fait baisser la robustesse, hein. Allez. En espérant que ça va pas trop... m'alourdir le cul. Et bobotte. Les bottes de sauvageon. D'accord. Ok, go. Je suis à bout, la reine. Gary ? Non ? Oui, c'est Gary. Oh merde ! Qu'est-ce que c'est ? Putain, c'est un casse-garde ! Aïe, 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 aïe. Putain, son truc qui bouille, son, il est avec Sonic, là, c'est pas drôle. Vite, 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 vite. Oh. Ah, c'est ça qui crache. Putain, mais il me laisse pas le temps. Ok, ça peut sneaker son truc de merde, très bien. Bon, ça va. Non ! Wouah ! Oh merde ! Ce one shot de la mort ! Faut que je laisse approcher, quoi. Tout se retaper à chaque fois hein, depuis le début. Et pas tomber bien sûr parce que sinon on perd tout. Ah la vache. Merde, s'ils viennent quand même. Il était stun, merde! Putain!
Oh mais j'ai pas autant galéré les autres fois. Je suis nul, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis encore sous le choc, je crois, d'être à deux doigts de la victoire et de l'avoir dans le baba comme ça, à la toute fin de la fin. Hein, ça m'a... Alors que j'avais la full life qui m'a hashtag one-shotted, je suis pas content. Pas contente du tout. Puis là j'ai utilisé déjà plein de potions magiques. On va dire voilà. Runage. Voilà, déjà ça en moins. Il est fifou quoi. Non. Attendez, mais je peux utiliser mon... Moi aussi, hein, j'ai Gling Gling. Oh putain, il en a remis un. Oh là là, non. Non, attendez, non. Putain de merde. Ah non, non, non. Non, 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 mais putain, c'est chiant. Chaque fois, je pense jamais, une fois que j'invoque un truc, je repense jamais à remettre sur les gougouttes. Et à chaque fois, ça me met... Pression de merde. Je me demande si... J'ai pas envie d'essayer pour pas perdre mes runes, mais je me dis que peut-être si je saute là, peut-être que je peux l'avoir directement. Ouais, non. Non, ça passe pas. Faut tout se retaper. Très bien. En même temps, je peux peut-être courir. Essayer de se la faire en courant, quoi. Tout va bien. Oh, je saute à chaque fois. Alors là, si tu m'as là, si tu me... Espèce de trou du cul, de Merlin de mon cul là. Ah oui, ça fait plaisir. Voilà, prends-toi tout dans la gueule. Et meurs. Putain, il est vif, hein. Laisse mon gugus tranquille. Voilà. Tête du gland. Merci. Au revoir, esprit. Je te renvoie. Attends, je te renvoie. Laisse-moi te renvoyer. Ah bah. Il se renvoie tout seul. D'accord, très bien. Bon, je vais faire le tour d'ici pour voir si... Vous avez une rage incroyable. Les streams VR, si tu bouges pas mal, ça demande pas mal de matos. Ouais, ça demande du matos. Et surtout un espace suffisant pour pouvoir bouger. C'est assez chaud. Enfin, ouais. Mais bon, déjà, il te faut un PC qui puisse faire tourner de la VR. Donc, ça pourra non plus donner à tout le monde.
Ensuite, il faut un casque VR, ce n'est pas non plus donné à tout le monde. Et ensuite, bah, il faut pouvoir aussi que le PC soit assez puissant pour que tu puisses streamer tout en étant en jeu. Enfin, c'est compliqué, quoi. Enfin, moi, sauf si tu fais ça sur deux PC, bien sûr. Mais bon. Pas pour autre chose. Et puis pour les plus... Ah merde, du coup, ouais d'accord. Donc en fait, dans le cul, ce que je pensais, le passage que je pensais avoir, d'accord. Par contre, on voit juste Pex. Puis bon, après, si tu veux t'incruster... genre, si tu fais du Beat Saber et que tu veux t'incruster tout ça, faut un maxi fond vert, ou alors il faut... il faut... genre, il y en a qui font leurs avatars en virtuel et ils ont genre des capteurs, vous savez, comme les comédiens dans les films là, qui doublent des personnages en CGI, enfin des trucs comme ça. Ça peut aller très loin le stream vert. Non, mais je sais, mais j'ai le droit de. Je sais que vous parlez entre vous, mais j'ai le droit de réagir quand même, non? J'ai le droit d'avoir un avis sur la question. Non, dégage, dégage. Voilà, on se va. Par contre, non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Attends, si ça se trouve, je suis en train de me dire, ça se trouve, le passage que je cherche depuis le début, ça se trouve, il existe, mais... c'est un mur invisible. Parce que moi, j'ai joué sans prendre en compte les murs invisibles. L'invisibilité des passages. PTDR, t'es qui, Jeannot? Voilà, juste, voilà. J'y suis allé, là. Ah oui, j'y suis allé, là, en plus, putain. J'avais déjà vu. Bon, après, on peut revoir, hein. Oh, putain, il y a des... Surprise. Ah oui, il y avait c'est le rayon parfumerie, c'est vrai, ici. Oui, c'est vrai. Rayon parfumerie, j'avais oublié. Mais il n'y avait rien. Il y avait une grotte là en dessous. Il me semble. Et on n'y avait pas été. J'y avais pas allé. Alors attendez. Je vais y être. Parce que je m'étais dit, on fera ça plus tard. Bah plus tard, c'est maintenant. On est sous la parfumerie. Il va encore y avoir des gargouilles de merde. Gargouilles de merde. Oula. Je touche la grâce avec ma bite. Je vais me l'enfiler. S'enfiler la grâce. Ok. Je voulais juste voir. Il y a un gros truc qui ronfle ou c'est moi? J'en étais sûr. Ok. J'étais sûr que c'était une diversion. Je sais pas pourquoi je... Ah, c'est une queue, putain, j'ai cru qu'il y avait un tentacule. Putain, il y a une grosse hache. Et on esquive. Oh merde. Putain, il est lent, j'aime pas les ennemis lents, putain. Ah, ah.
foutre, putain. Et si vous me coincez contre un mur, hein. Tu es un étron, mais tu es bien bonne. Merci, la gueuse. Je sais que tu vas venir de là. En mode Batman. Crotte ! Heureusement qu'ils font pas mal, ces cons. Bon, alors ils vont me rendre ma grâce. Ah putain. Ah, on n'a pas la place de se battre dans cette merde. Ça commence très très mal. Ça commence très très mal. Catacombe des aberrations. J'espère vraiment, hein, après qu'on va arriver sur le dessus et qu'on dira ah, c'est le coin du plateau que. Chaque fois, hein, je peux pas le tuer avant qu'il me tape. C'est assez ouf. Déjà un. Merde, putain, il va venir. Putain, il vient. Je crois que l'autre se relevait. Waouh. Ah bah il y a un escalier là, d'accord. Mais est-ce qu'il y a un mur secret? Il est tapé dans tous les murs. Bonjour, Jacques Morbach. La gueule des monstres, là, ils ont l'air un peu trop heureux. Non, maintenant, ils ont l'air juste morts. L'anus de cet ennemi est mort dès le début du combat. J'avoue. Oh putain, mais ça va, oui. Oh, c'est un chien, putain de merde. Viens d'abord. Oh putain, il va me coincer. Non, ne t'auto-coince pas du con. Voilà.
Et merde. 8 gouttes. C'est le timing est chiant, putain. Timing est giga chiant. Oh, il est joli ce son. Oh la merde, c'est là. Putain, on s'enfonce. Moi, j'avais pour le but de m'élever pour arriver au-dessus de la montagne, mais en fait, non, on s'enfonce. Oh. Il y a des formes, on dirait qu'il y a des formes de trucs qui dorment là-dedans. Non, c'est intéressant. Ils sont en train de dormir, ou ils font une partouze, ou ils sont morts, on sait pas. Ah, on y va. Puis celui-là, de dos, tout de suite, maintenant. Oh oui, c'est bon. Oh, puis c'est... C'est la pénombre, un peu, hein. Il y en a un pas loin, putain, j'en suis sûr. Ou alors ils sont au-dessus. C'est ça, ils sont au-dessus. La bonne ambiance. Du coup, comment on monte? Ils vont me dire que la porte est... Ah non, on peut l'ouvrir. D'accord, mais en fait... Comment je montais là-haut? Je peux sûr. C'est quoi? Oh putain. Ok, on va ouvrir la porte. Ah merde. Ouah, se battre un gros truc comme ça dans un endroit aussi exigu. Bonjour. Lui, par contre, son épée n'est pas emmerdée par... Alors, à cheval, ça va bien, mais pas à cheval, c'est compliqué. Là-dedans. Vite. Ça sera plus clair ici. Oh putain. Putain. Ah putain. Putain de merde. Oh putain, mais non, il y a le mur quoi. Moi le mur, les murs ils me font chier et eux. Porte déverrouillée. Merde.
elle est là-haut là. Pas une échelle, j'ai pas vu d'échelle. Vous avez vu une échelle vous, moi non. Bon, peut-être qu'il y a un truc là où j'ai pas vu. Faut trouver le mécanisme, mais le mécanisme il a l'air d'être là-haut. Bon, je vais faire tous les trucs, hein. Il doit y avoir un mur invisible, non? Ou alors il y a un levier que j'ai pas vu. Parler de vos addictions dégueu, c'est ça? Moi j'avais réussi à éliminer les sodas de ma vie il y a des années. Depuis quelques temps avec Johanna, on aime bien s'acheter du Canada Dry. Bordel de merde, mais je fais quoi? Voilà, maintenant c'est ouvert. Putain, ça m'énerve. Je fais comment? Quel mécanisme? Où est-ce qu'il y a un mécanisme? Je vois pas de mécanisme. Et mini crêpes fourrées. Ah, moi, j'avoue, je pense que si j'ai dû en garder une bonne, c'est l'alcool. Et puis les chips. Putain, les chips. Surtout les bretz, là. Horror. C'est l'eau pétillante en trop grosse quantité. Ouais, c'est sûr qu'après, oui. Dans ton cas, c'est sûr que oui, effectivement. Putain, mais vas-y! Y a un truc que j'ai pas vu ou quoi? Bon, ça me paraissait assez linéaire. Pas de levier, hein. On est en train de revenir au tout début, il n'y a pas de levier, hein. Merde. Shit. Quel pourrait être le mécanisme? Je ne comprends pas.
Chacun s'éteint, moi c'est la club, voilà. Les gens sont en train de lâcher. Bon, c'est bon, j'avoue. La coke. Et ça, peut-être qu'il faut l'éteindre, non? Les flammes bleues. C'est bizarre ces flammes bleues là, merde. Ah, ça m'énerve, je ne comprends pas. Moi, quand j'étais jeune, je m'envoyais du Pepsi par kilolitre. Coca, toutes ces conneries là, je bouffais que des trucs de merde. Genre les Snickers et compagnie. Hein. Je clopais, je picolais, j'avais toutes les tares en fait quand j'étais ado et il y a un bouton? Non. Jusqu'à quoi? Jusqu'à 26-27 ans? Je sais plus exactement. Putain, je piche pas. Fallait pas que je prenne le muguet ou une connerie comme ça, pas tuer les messieurs. S'arrêter à 26-27 ans, c'est pas simple en vrai. GG. Merci, merci. Non mais moi je suis du genre très têtu. Quand je veux plus faire un truc, je le fais plus. Enfin, c'est surtout aussi que je commençais à plus avoir de relations sociales. Donc comme c'est il y a la plupart des ces genres d'addictions, l'alcool, la clope et tout ça et tout, c'est des addictions qui sont quand même, enfin, t'as tendance à plus en consommer quand t'es entre potes et comme quand t'es au lycée, à la fac et tout ça, t'es tout le temps entre potes, tu fais ta vie avec les potes et tout. Et bon, je vais faire tous les murs, hein. Je suis désolé, mais c'est relou, mais voilà. Hein. Et du coup, ma vie c'était que ça, quoi. Et puis, bah, au bout d'un moment, bah, j'étais tout seul. Tout le monde est parti vivre sa vie alors que moi je devais rester. Et puis bah voilà, puis t'en arrives à plus faire de soirée, à plus voir de gens, et puis, puis la clope ça commençait à me dégoûter, et puis en plus je faisais des rhinos à répétition, enfin j'avais de plus en plus de. La gorge de plus en plus fragile. Puis un jour j'en ai eu marre, je me suis dit bon, j'ai envie d'être en bonne santé. J'arrête toute la merde et je me nourris bien. Putain, mais vous avez vu un truc qui me permet de déverrouiller quelque chose? Non, y'a rien. Au secours. Quand t'as fait. On t'a posé un lapin, putain. Putain, sans déconner. Mais j'ai pas dépensé de dague pour me faire entuber là. Poser les lapins, y a pas de pire. Je préfère limite une annulation au dernier moment. Ouais, c'est pas plus mal. Comme disent les gens, c'est peut-être pas plus mal qu'on t'ait posé un lapin, coach. Putain. Sans déconner, je fais quoi? Je fais quoi? Il faut aller là, je le sais, mais j'y vais comment? Putain. Nique ta mère. Je comprends pas. Y'a personne qui saurait ce qui se passe ici pour me backciter là exceptionnellement.
Parce que je vais pas tourner en rond comme ça pendant 3000 ans, quoi. Je ne suis pas le Shojin, je n'ai pas cette patience. Il faudrait que je me laisse tomber des escaliers. Mais non, je vais me bouffer la gueule, puis c'est trop haut. Pousser le haricot magique, c'est ça. Ben non, mais ça, c'est un truc que j'ai ramassé, en fait. C'est pas un truc à faire pousser, quoi. Et ça se trouve, le gros truc, il est mort sur le mécanisme, non, non. Un mécanisme, mais il y a même... Je vois pas de dalle. Ou de levier. C'est ça qui m'énerve. J'ai rien vu. Vous avez vu ces grosses pustules quand même? Putain, mais vas-y le chat. Au secours. Ou alors genre il y avait une limite de temps? Non. Alors faut descendre là. Et j'arrive pas à comprendre. Putain, si ça se trouve faut descendre là. D'accord, faut descendre là. Ok, faut descendre là. Ok, et c'est bourré de connards. Ok, d'accord, très bien. Wanik sa mère. Ça devant moi c'est mort, ok. Il y en a des morts, il y en a des pas morts. C'est bon, j'ai trouvé. Ah! Mais non, il bouge. Voilà, très bien, on fait dodo. Tout se passe bien. Ok, c'est bon, j'y suis. Je vais déjà faire le tour avant d'activer le levier. Putain, quand je pense que j'ai tourné en rond pendant 3000 ans alors que c'est juste ça, quoi. Putain, ça à chaque fois ça fait BAM, t'as trouvé un truc incroyable et puis je sais pas ce que c'est. J'imagine que je peux pas sauter directement là, ça va faire trop peut-être. Attention, j'ai pas le choix, je peux pas remonter. Yes. Let's go. Si t'es un Kleenex... Elle, c'est un Kleenex usagé. Wow. Et du coup, j'espère qu'il y a une sauvegarde juste avant, parce que ça va me faire chier de tout... Non, il n'y a pas un truc à une effigie de mon cul ou je sais pas quoi. Non, d'accord. Ok, bon, alors, on va se positionner sur l'arbalétrier. Dans le monsieur. On va faire gling gling. Ah, c'est un... Oh putain. Ouah, c'est qui ce maboule? Ah, non. Il m'en... D'accord, c'est un magicien. C'est un Gerudo. Ah putain. La violence. Ah, j'ai pas eu le temps de me soigner.
Oh. Parfumeuse Tricia et la chimère. Mais la chimère Léonine, j'ai déjà battu. Mais il n'y avait pas la parfumeuse avec. Ah oh, putain, faut tout sortir. Attaqué par Christian Dieu. Coucou Chanel. Ah non, ça c'est relou. Oh, il faut tout surtaper. Elle vient de battre. Les mouvements de tête et de cheveux, je les trouve méga flippants. On se débrouille mieux. On va l'esquiver lui. Hein. J'ai pas de temps à perdre avec les connards. J'espère que la porte elle sera toujours ouverte. On va y voir ma boule. Ma boule. Alors d'abord le chien. Le chien c'est plus chiant. La porte est toujours ouverte. Nous pouvons tracer. En toute quiétude. Ok. Alors, gling gling, les runes, et on tabasse. Lui en premier, parce que ça descend méga vite. Allez, voilà. Plus que la chimère et c'est bon. Ça va le faire. Ça va le faire. Il est plus là mon... Ah si. Vas-y, tire-lui dans le lard. Merde. Et voilà. La parfumeuse de Tricia est à moi maintenant. Ok, 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 ok. Pour obtenir des matériaux, résine de racine. Ouh!
Je regarde un petit peu, il n'y a que dalle. Il n'y a rien là, hein. D'accord. On peut pas passer non plus. T'as l'impression que tu peux aller derrière, hein. Mais en fait non. Retourner, et c'est à l'entrée qu'on retourne, putain, fais chier. Hop là, on s'enfile la grâce comme d'habitude. Ah, je n'ai pas tassé. C'est pas grave. Bon, ça c'est fait. Ouh. Hello, le soleil brille, brille, brille. Ah, j'ai cru que c'était... Non, mais non, en fait, non, c'est où? Oh, quelle jolie vue. C'est... Ça donne où? Ah, sur le... Oui. Château de merde, là, ouais. On se souvient, avec les mains régnées, là. C'était bien. Hein. On y retournerait, hein. Non! Non! Il faut que j'aille trouver un moyen d'aller là-haut! Peut-être que. Il y a une entrée quelque part. Dans la parfumerie. Oh putain! Ce n'est pas une entrée. Ouais, je suis déjà allé là. Pff, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà nettoyé la parfumerie en plus. Hein? J'ai nettoyé ça. Ça n'existait plus, ça. Oh, ah, ah. Oh là là. Il y avait tout ça? Je me souviens pas. What? Ah, il me suit, merde! Putain de... Oh, putain de merde! Putain de... Ah oui! Mais qui es-tu, putain? Je l'ai tué? Mais t'es derrière, t'es qui, quoi? T'es peut-être un endroit... Bah non. Oh non, ce serait débile. Ce serait débile en y repensant, ce serait débile. Ouais non, j'y suis allé là. Bah non. Est-ce qu'il y a un truc à prendre? Capuche de parfumeur. Qui s'excite là-haut. Il y a un coffre que j'ai pas ouvert, dis donc. Oh bah, je viens de revenir ici. Enfin, Jamy. Pourquoi t'as rien pris? Bon bah, c'est tout alors, du coup. Bon, ça va aller. Pas tant le coup que ça non plus. Faut pas te déconner. Petit tour chez Sephora. Histoire de perdre son odorat. Ok. Bon. Alors du coup, oui.
vais réussir. Je vais réussir. Désolé, on suit les aventures de Michel qui s'en va acheter du coca. Oh bah c'est pas grave. L'important c'est que vous passiez une bonne soirée. Après j'avoue que je suis dans l'esplo, des choses comme ça, voilà. Ça se passe bien de mon côté, ça se passe bien du vôtre, voilà. Tout est bien. On fait sa petite vie, chacun de son côté. Putain! Mais non! Mais tu n'existais plus, toi! J'ai vu pile au moment où j'allais dire, vous vous souvenez la première fois quand il y avait un dragon ici? J'allais le dire, quoi. Lancelax. On a envie de se barrer. Il est où? Ça va, ça va. Il m'a oublié. Oublié. La musique m'a oublié, donc c'est bon. Waouh! J'en ai marre, merde. Putain, c'est derrière. Si je vais par là. Putain, mais merde, mais c'est comment on y va là? La cabane de l'artisan, faut que je me TP. Voilà. Ah! Attendez. Oh, je suis dans cette sauce. J'ai du mal de voir où je suis, mais ce serait bien d'aller à la cabane de l'ermite. Il y a toute une zone là que j'ai pas. Comment je vais là-dedans? Y a pas un grizzly ici, non? Ta gueule, tu vas le réveiller. Ah. Et on va faire le speeder cheval. Putain, c'est... Ah ouais? Ah oui. Putain. Ouais non mais les gars. Voilà. Vous faites juste du bruit. On va retourner là, hein. Attendez, voilà. Oula. Aïe. Oh, mon cheval, il a mangé, là. Ah, puis là, il y a le dragon. Mais putain, mais il y a... Je...
je comprends pas. J'ai tout fait. J'ai vraiment tout fait. Je ne trouve pas comment accéder à cette zone. Je ne comprends pas. J'avais été là-dedans, hein, for l'aide. Oui, je l'ai fait, ça. Ça se trouve, je passe à côté du truc, mais... 9e camp du Mont Gelmir, et ils disent qu'il faut que j'aille par là. La direction, elle est par là, quoi. Et bah, c'est... oui, d'accord. C'est sur le mont où il y a la créature de mon cul que j'arrive pas à battre, c'est ça? Et du coup, ce serait ça, et après on redescend et on va là. Mais c'est pas possible. Attends, si c'est ça, je peux près d'y arriver. Hein. Vous avez vu la résistance du bordel, là? Ah, putain, oui, c'est ça en plus. Pff, j'ai pas la foi, moi. Je peux monter mon niveau ou pas? Oh. Bon, limite que je pexe un chouïa. On a dit combien? C'est 3005. Ouais, on va dire, on va péter à 3006. Je pexe un chouïa. Je vais utiliser mes points. Je vais essayer de me refaire le gros truc de ces morts là. Que j'arrive pas à entamer un seul instant. Ah putain, faut faire attention à ça, c'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'il est chaud, lui. Merde. Ah ! Je l'avais pas vu. Ils sont autant ? Il y en a beaucoup ! Putain, j'hallucine. C'est venir un petit peu. Putain, d'où t'esquives tout, toi? Allez, plus beaucoup de gens à tuer. J'ai réussi. Aïe. Mon
mon cheval, quoi. Salopio. C'est tout, c'était... Il y avait une grotte ici, mais je l'ai fait... Ah ! Je l'ai fait, la grotte, on est d'accord. Hein. Oui, grotte volcanique. Putain, fais chier. Limite, ce que je peux faire, je peux aller... M'agenouiller à la grâce, comme ça, je reset les mobs. Et je vais à l'autre grâce, et comme ça, j'aurai ce qu'il faut. J'y suis allé là-dedans. Attendez. Je me fous le doute. Ah oui, c'est là où il y en a plein, oui. C'est vrai. J'aime bien quand tu dandines ton petit boule. Retaper l'armée des cons. Ah, je suis possédé par les yeux jaunes. Je suis Igor les yeux jaunes. Ta gueule. Ah merde! Mon dada. À moi est un gangster. Mon dada, à moi est un gangster. Il a même des jolis sabots en fait. Ça fait un peu Cyclope dans X-Men aussi quand même. Bon, c'est bon, on a tout ce qu'il faut là. Allez, hop. On va se la retenter, ma foi. Là, on l'ignore, mais derrière le fond vert, c'est l'autoroute. Tu parles de mon fond vert ? Ok, alors on va augmenter l'endurance. Allez, on y croit. Allez, deuxième round, mis contre la bébête. Oui. Ah putain. Ah mais attendez, je peux tracer par là. Rien à foutre. Rien à foutre! Ah putain! Wouah! Ok, on est passé! Mais quand même! Putain, si j'avais vu ça! Au lieu de me focaliser sur la grosse bébête, si j'avais vu ça, putain! Oh là 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 là! Quand je pense que. Je suis débile! Je suis débilous! Le Jeannot débilou! Eh hey, mais! Est-ce que ton chat dit que t'étais un vrai gros fils de pute? Oh là là, j'hallucine, j'hallucine, j'hallucine. Salut Joe Dubin. Pierre volcanique.
Ah, du coup, je suis... Quand je pense que ça fait 3-4 streams que je tourne en rond pour accéder à cet endroit, alors que j'avais trouvé... Mais que j'ai... Voilà. Il faut vraiment que j'aille chez l'ophtalmo. Je crois que c'est... indubitablement nécessaire. Quand on descend par où, là? C'est par là? Ah merde! Ah bah oui! Évidemment qu'il y en a un derrière! Ah putain! Ouh, il y a du... D'accord, il y a du monde. Alors attendez, avant d'y aller... Il m'a pas vu, on est d'accord. Hein. On va voir ce qu'il y a par là. On va déjà... explorer un petit peu. Est-ce qu'il y a des graines en plus? Ah! D'accord. Ah, j'ai eu peur. Attendre qu'ils reviennent. Il l'a fait. Michel est parti s'acheter du coca, c'est ça? Oh mais sans déconner. Putain, je l'ai eu. Projectile perforant. Comme ma bite. Il est surtout revenu avec un litre de batterie. Quoi? J'ai pas compris. Mais ah, putain, je me fais aggro par de la merde. Putain, je lis le chat 2 secondes. Plus jamais je vous parle. Tu sais, la reine des nerfs. Avec 1% de batterie, je comprends pas. Batterie de quoi? De voiture ou de... 1% de batterie de voiture, qu'est-ce que je raconte? Une batterie complètement vide ne se recharge plus, donc le BMS doit mentir sur le niveau de batterie. Et j'ai pas compris, c'est quelle batterie de quoi? Excusez-moi, j'ai pas suivi. De téléphone, ah! Ah parce que en même temps tu restais connecté Putain la vache tu suivais le stream en même temps. T'es fou toi.
Ça doit paraître lunaire. Oui, un peu, oui. Oui. J'avoue, oui. Complètement, oui. C'est la batterie de son deltaplane. Ah. Mais si c'est lunaire, c'est la batterie de sa fusée, peut-être plutôt, non? Encore? Non, il n'y en a qu'une. D'accord, très bien. C'est quoi là? Ah, c'est le... Ah, c'est intéressant comme lumière qui se reflète sur on ne sait pas quoi. C'est de l'eau? C'est le chemin de lumière. C'est par là qu'il faut que je reparte, c'est ça? On peut y aller ou pas? Non, on peut pas y aller. Mais c'est joli, en tout cas, ça donne envie. Hein, d'aller voir ce qu'il y a au bout du chemin. C'est une puce présente dans toutes les batteries qui a pour objectif d'égaliser la charge sur les différentes cellules, de retourner la charge, etc. D'accord, d'accord. Ah, ça faisait pas longtemps ça, tiens. Remarque. À cheval, ça fait beaucoup moins peur. Tout... Si, même à cheval, ça fait peur. Pas le majeur. Ah putain. J'arrive, elle va se tuer. Putain, il y en a partout. Je déteste ces salopes. Non. Putain. J'ai pas arrêté de mâcher X pour récupérer. Pour m'envoyer une putain de fiole, mais ça n'a pas marché. J'ai pas eu le...